De la Libye à l'Afrique du Sud, en passant par une bonne quinzaine d'autres pays, les équipes de reconnaissance de TSO sillonnent 4 mois par an le continent africain, et cela depuis 15 ans. L'objectif, découvrir de nouvelles pistes et établir le roadbook du rallye Paris-Dakar, le plus prestigieux des rallyes rails. Les grandes lignes de l'itinéraire sont définies avant de partir, mais sur place, c'est l'Afrique. Il faut alors s'adapter, voire improviser. On va remonter donc sur le goudron. Cet endroit-là qu'on a repéré en waypoint, on va piquer le long des dunes. On va commencer leur piste et on va après repiquer plein est. En route. Après 3 jours de tentatives de franchissement du grand erg occidental algérien par voie directe, il faut bien se rendre à l'évidence. On avait prévu un tracé très sympathique, on traversait le grand erg occidental. Jusqu'à maintenant, on a fait 255 bornes de spécial. C'était superbe. Puis maintenant, on est un peu bloqué parce qu'on se retrouve face à des dunes infranchissables, à l'est comme au sud, et on se sent obligé de remonter au nord, et c'est pas du tout notre principe, donc on est un peu bloqué là. Pas possible sud, pas possible est, on remonte par le nord, on fait un gros détour et on essaye de rejoindre l'Angolé, là, par là. À la soupe. Moi, je connais la bonne route. Certes oui, mais pas la plus directe, car le relief du Grand Erg ne permet pas de s'aventurer n'importe où. C'est alors que précisément la connaissance du désert prend le pas sur les instruments de navigation les plus sophistiqués. Voilà. 4 jours. Jusqu'à le Mna'a, sur les chameaux. Ça veut dire les chameaux à 30 km par jour. 30 km par jour, à 4 jours, combien 30, 30, 120. 150, 120. Ça veut dire 260 km. Sous les tropiques, à la mi-journée, le soleil implacable gomme tout relief. Par mesure de sécurité, le moyen le plus efficace est alors la reconnaissance à pied sur les crêtes de dunes, afin de déjouer les pièges qu'elles pourraient cacher, entonnoirs ou descente à pic.
partie-là, c'est bien la plus dure qu'on ait jamais faite en sable. Heureusement qu'il y a que 100 km, mais à la fin de l'étape, ça va être très difficile. En plus, là, c'est midi, donc le sable est mou, l'eau est de cuvette. C'est vraiment très très difficile. C'est une des plus belles, mais une des plus difficiles portions de sable qu'on ait faites sur le Dakar depuis que ça existe. Il y a un petit cordeau encore, oh, ça suffit. Finite. Mais si le franchissement est assuré, les allers-retours et les galères dans le sable mou ne sont pas évités pour autant, jusqu'à la découverte d'une passe possible. Ainsi, de dune en dune, de passe en passe, il n'aura pas fallu moins de 6 jours pour traverser le Grand Erg occidental, large d'une centaine de kilomètres à cet endroit. Tout compte fait, notre guide Abdelkader nous a bien servi. Et il nous a montré la passe comme le GPS n'aurait pas su le faire. Chaque pays a sa particularité. Si l'Algérie a des zones dunaires bien fixées, la Mauritanie, en revanche, est couverte de dunes vives qui se déplacent sans cesse au gré des vents. Bien que peu porteur et plein d'embûches, le sable mauritanien n'est encore jamais venu à bout de la détermination des équipes de reconnaissance. D'autant que pour aller de Ouédan à Tchingeti, par exemple, il n'y a pas d'autre possibilité que de couper cet océan de dunes, superbe terrain de jeu où les concurrents peuvent faire étalage de leur technique. Il reste 20 km, mais quel 20 km! Si c'est comme ça, on sera à Tchingeti ce soir. Enfin, on voulait des dunes, hein. On en a des dunes. Entre ciel et sable, la rencontre avec le passé est l'un des principaux charmes de la reconnaissance. Les forts, vestiges de la colonisation française du début du siècle, sont des repères intéressants et immanquables pour le rallye. Ici, à Chega, sur la frontière algéro-mauritanienne, la grande bâtisse de pierre à l'architecture mauresque présente un site idéal pour bivouaquer. Philippe, amène le camion, on va dormir là. C'est vraiment un endroit extraordinaire. On a eu du mal pour y arriver, mais maintenant qu'on y est, il faut y rester. Ah, les bivouacs du soir sont des grands moments. Hein. On a bivouaqué dans des endroits superbes, extraordinaires, que jamais on aurait pu imaginer un jour que de tels endroits existent. Il y a des couchers de soleil, il y a des levées de soleil extraordinaires. Évidemment, le lever de soleil, c'est plus difficile parce que faire lever le matin tous les gens de la reconnaissance, c'est toujours plus compliqué. Mais enfin, on y arrive quand même. Ça vous convient pour ce soir, les avocats et un ragoût avec une soupe? Ben, les avocats, fais encore mon admiration. Entre les cartes dans un bureau et la réalité sur le terrain, il y a parfois un monde. Les reconnaisseurs le savent bien, qui prévoit en conséquence des suspensions spécialement renforcées, mais aussi des réserves en gasoil et en pneumatique, ces derniers étant soumis à rude épreuve. On use des pneus aussi, mais si on crève coup sur coup. Là, je crois que le combat va s'arrêter faute de pneumatique si ça continue. Allez, ça y est. Voilà, ça y est. Ça y est ? Ouais. J'ai sur les barbelés, puis là j'ai crevé. Ah bah ça. D'ailleurs on voit bien, j'arrive à aller mieux crever que de sauter sur une mine. Bah nous on est en train de réparer le pont avant du camion. Alors nous on se stand... Oh là là, pour un bon moment. Faut pas le tourner par contre. Non, il est coincé avec ça.
Moi, Guil. Hein? 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 Papa, il faut dire à papa, oui? Il faut 10 pelles pour les 10 hommes. Belle, mais on a. Les hommes sans pelles, c'est... oui, ça sert à rien. Oui, papa, je crois qu'on a eu notre somme d'ennuis cette année. Mais ça, je préfère ça. Quand ça commence mal, ça finit toujours bien. Si le sable est l'obstacle majeur des zones tropicales, l'eau par opposition est le problème principal des pays équatoriaux. Les bourbiers sont peu rassurants, les ponts en billes de bois souvent hypothétiques. Bonjour monsieur. C'est bon ça. Vous croyez que le pont il va tenir pour le camion qui va passer? Ah, monsieur, vous avez un poids lourd, hein? Oui, on a un poids lourd. Ah, mais pas très lourd le poids. Ça, monsieur. Pas très lourd. Vous pensez que ça va passer le camion? C'est un caterpillar à chenille. Non, c'est pas un caterpillar, mais c'est un gros camion. Vous pensez que le pont il va pas s'écrouler? Non, non. Non? Non, je ne pense pas. Parce que tout à l'heure, ça fait environ 3-4 ans. Hein. Oui. 3 ou 4 ans que les longrines là qui viennent d'être posées. Celui qui avait fait la route là, ils avaient les caterpillars à chenilles, mais ils traversaient là. Là. Et allaient traverser. Ah d'accord. Oui, mais. Bah, oui. Mais comme c'est un camion, il peut porter le poids, mais seulement il passera. Le pont ne cassera jamais. Petite question d'assemblage. T'as fait à Guy? Je sais pas, faut voir que le profondeur il y a. Bah vas-y, saute. Regarde, le tronc d'herbe, il est pas profond là. Hein, le bout de l'herbe. Non, mais attends, le camion plante. Quand tu descends aussi. T'es fou. Mais... je sens que l'arbre il monte là. Voilà. Les voitures passeront. Mais le camion sagement fera demi-tour et rejoindra le groupe 2 jours plus tard à Franceville. L'Afrique a aussi ses mystères et ses traditions. Ainsi, entre le Congo et le Gabon, il y a un fleuve que l'on ne peut traverser qu'à l'aide d'un bac. Un bac qui ne fonctionne qu'au gré de la Providence. Je dis qu'il n'y avait pas de gasoil. Comme il y en a déjà, on va traverser. Faute de carburant, des voyageurs attendaient là depuis 48 heures. Un litre de gasoil aurait sans doute permis plusieurs traversées, mais après tout, qui peut le plus, peut le moins. C'est ça aussi l'Afrique. Allier compétition et aventure, telle était la volonté de Thierry Sabine. Une volonté qui impose donc d'inlassable reconnaissance, et si le guide a un savoir ô combien précieux dans les zones désertiques, il faut également toujours tenir compte des connaissances de la population en Afrique noire, comme ici au Cameroun. Au Congo, hein, vous n'avez pas moyen d'arriver au Congo. Pas moyen. Ça ne peut pas. Quand tu conduis, l'eau entre ici, là. L'eau, oui, là, l'eau de la route, comme ça, ça entre dedans, là. C'est mauvais. Mais c'est quand c'est les pluies, ça rentre dedans. Mais quand c'est sec, ça rentre pas. Maintenant, on ne sait pas, vous essayez et vous payez les gens. Alors, on
C'est un cortège. Hein. Pour pousser. C'est un cortège. Ouais. Ouais. Mais à partir d'ici jusqu'à Lélé, la voiture va comme une voiture. Ouais. Mais en dépassant Lélé, l'homme va plus vite que la voiture. Ouais. L'homme va plus vite que la voiture. Ah ouais. Ça, parce que là, c'est pire. C'est pire. Mais même la saison sèche. Même à la saison sèche, mais est-ce que la sécheresse remplit les ravins? J'irai mais comment on va rire parce qu'on vous dit hein que vous ne pouvez pas. Attendez alors. Mais attendez alors. Vous allez retrouver, bon. Rentrer. Pardon. On va rire. Parce qu'on vous dit une franchise. Ouais, mais vous ne voulez pas vous entendre. On veut voir bon, nous. Attendez parce alors. Parce que vous voulez voir avec vos yeux. Parce que vous êtes les blancs. Bon. Parce que nous sommes les noirs. Non. Que parce que les Français, on apprend, c'est vous. Vous trouvez quelque chose qu'il n'a pas encore vu. Donc vous voulez voir. Ici, je dis que c'est mauvais. Juste toujours comme ça. Ce serait bien cette avancée parce que moi je pourrais avoir plus accès pour couper là. Quitte à reculer encore après. Mais... Malgré la débauche d'énergie déployée tout au long d'une journée, il faut bien convenir de la réalité. Tu vois ici, il y a un passage qui est très très gênant. On aurait essayé de refaire Zoom, mais... Ça fait un bout spécial, ça. Ça change de... Ce qu'on voulait, c'est essayer de passer par ici, là, pour éviter aussi le bac d'Oyem, parce que toute l'idée, c'est quand même de faire différent de l'année dernière. Ouais. Parce que... C'est sans intérêt, ça. Et d'essayer d'aller... Parce que si on veut faire étape par Makoukou, il faut faire étape à Mitsik, enfin, tu vois, donc c'est un peu compliqué. Ouais, mais ça, qu'est-ce que tu veux? Il faut envisager une solution, donc la seule solution, c'est de faire demi-tour. C'est pas la peine de... C'est OYM, hein, c'est bien. Ah oui, je sais bien. Rare dans le désert où la démographie est presque nulle, le contact avec la population est fréquent et chaleureux en Afrique noire, où tout ce qui est mécanique est magique. Au Zaïre, par exemple, la caravane TSO reçoit une ovation de la jeunesse. Au Congo, la popularité des hommes du Dakar a déjà frappé de plein fouet les adultes admiratifs. Vraiment, ça nous a beaucoup plu le rallye de 92. Là. Et nous voulons que ça puisse reprendre de 93. Revenant encore, c'est notre souhait. Nous voulons que vous repreniez et passez sur les mêmes voies. Ne plus passer de l'autre côté, passer sur les mêmes voies là. C'est beaucoup intéressant pour nous. Bon, et puis, donc revenez. Mm-hmm. Et puis, il faudrait que M. Puter, quand même, sache qu'il y a des gens qui le supportent au niveau de ma maman, à l'entrée du village du Congo. Congo. Qu'il nous laisse quand même les t-shirts. Ça nous ferait plaisir de porter les t-shirts de M. Puter Anselme, qui a quand même gagné dans tout le Congo. Je crois qu'il faudrait qu'il revienne pour nous faire quand même plaisir. Et voilà un peu ce que je tenais à dire pour M. Puter. Le message, naturellement, a bien été transmis. Les kilomètres défilent, les paysages changent, mais le travail quotidien reste le même. Baliser les pistes, noter les caps, déjouer les pièges, relever avec précision les coordonnées topographiques qui permettront d'assurer la sécurité du rallye. 1200 mètres de long et 620 mètres d'altitude. Pas les mêmes Fokker. Ouais, mais ils sont chargés. 165, 345 à peu près. Là, c'est des Fokker 28. Mais il y a des Fokker qui se posent, mais apparemment, c'est des Fokker 28. Tous les 27. Ah, ça y est, on a passé l'équateur. Nous sommes sur l'équateur. Complètement, là. Vous pouvez y aller ? On peut y aller. Maintenant, on est de l'autre côté de l'équateur. Thank you.
Mais pour chaleureux qu'il soit, l'accueil n'est pas suffisant pour l'élaboration d'un itinéraire sportif, sans compter que la stabilité politique est souvent précaire dans ces pays. La reconnaissance a ainsi découvert en Angola, pays meurtri par 30 années de guerre civile, la dure réalité d'une nation où le sport n'a plus sa place actuellement. Pensez trouver autre chose en Angola, sincèrement. Au vu de ce que nous avions vu l'année dernière, je pensais qu'on aurait trouvé d'autres pistes. Les séquelles de la guerre sont trop récentes, il y a des ponts qui sont détruits, il y a des bacs qui ne sont pas encore opérationnels. Donc on viendra plus tard, et puis pour le moment on va faire autre chose. La destination n'a pas d'importance dans le rallye, ni la ville de départ, ni la ville d'arrivée. J'ai toujours dit que le Dakar c'était un état d'esprit, et ça n'était pas un fait d'aller à Dakar. Pour faire un rallye de 8500 km, on a fait 33 000 km de reconnaissance à aujourd'hui. On a fait plus de 30 000 km pour aller au Cap, avec les événements que tout le monde connaît en Angola. On n'a pas pu prendre comme destination Cape Town. On est allé en Ouganda, au Kenya. Bon, avec le Nord Zaïre, ça n'était pas certain. On s'est retourné donc sur notre troisième itinéraire que nous avions prévu, c'est-à-dire Paris-Dakar, par le Maroc, nouveau pays traversé. L'Algérie, la Mauritanie et le Sénégal, bien entendu.